de faire un film, c'est aussi un petit peu... Vous vous retournez un petit peu 20 ans, 30 ans en arrière. De toute façon, c'est cyclique. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai été interviewé Nicolas Godin, effectivement, il était en train, il s'était racheté tout son matériel de l'époque. Ah ouais. Le petit boîte à rythme, le petit 4 pistes, en fait, il était très fier d'avoir retrouvé tout son matériel. Donc on est tous, effectivement. C'est pas vraiment la nostalgie, c'est juste de marquer un peu un temps. On a 50 ans, un peu plus. Et on se dit, voilà ce qu'on a fait. Voilà. Et du coup, je pense que c'est un peu très naturel. C'est-à-dire quand on va pas raconter l'histoire quand elle se fait, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu après qu'on a aussi du recul. On peut analyser les choses différemment. Puis on a une mémoire complètement différente. En fait, moi, j'ai des choses dont je me souviens absolument pas. Et chacun a sa version différente de choses. Qui a joué avec qui, comment, qui a viré qui. C'est ça qui est génial, en fait. Donc, voilà, j'ai réussi à avoir des archives de beaucoup de gens qui m'ont filé des photos, des vidéos, des choses comme ça. Alors que c'est dur, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Non. Pour la petite histoire, il y a une grande soirée où j'ai réussi à avoir la vidéo qui est géniale, où on les voit tous quand ils ont 17 ans. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai ce souvenir d'être allé à une soirée qui était dans la route qui va vers sortir l'école. Je me souviens de ça, j'étais en mobylette et je sais pas pourquoi, je crois que je suis jamais arrivé, ou je suis arrivé trop tard. Moi j'ai ce souvenir. Voilà, mais je n'arrive pas à me rappeler le nom de la soirée et quand c'était exactement, bien sûr. Et c'était peut-être ça, c'est marrant. Voilà. Et je ne saurais, je pense jamais. mais voilà quoi. Et donc c'est ça qui est drôle en fait. Et dans ce film, il y a tous les groupes ont joué. Orange, le groupe de Luba, c'est ça qui est drôle en fait. Donc il y a des images, il y a vraiment des images très rares en fait, que personne n'a jamais vues, je pense. Ça c'est sûr. La vidéo, je l'ai récupérée par le chanteur d'Orange. Voilà. D'accord. Ça, ouais. C'est lui qui avait gardé une copie. Quoi. Moi déjà j'essaye d'aller plus loin à chaque fois. Je reste ambitieux en fait. Mais je me suis complètement écarté. Mais je ne sais même pas si j'étais jamais vraiment été à fond, mais dans ce modèle de pop. Déjà, je ne suis pas chanteur déjà, donc je suis vraiment producteur. Ouais. Ça c'est la chance qu'on a eue nous tous aussi. Hein. C'est qu'en fait, à un moment donné, dans les années 90, les producteurs sont devenus des stars. Avant, les producteurs de disques, c'était les mecs qui arrivaient en studio. Le pognon derrière. Non, producteur, au sens artistique, oui, je parle. Oui. Réalisateur, en fait. Oui. C'est les gens qui arrivaient, qui disaient, voilà, on va mettre tel rythme. Là, aujourd'hui, c'est qui super, c'est des basses comme ça. Enfin, ils avaient ce truc-là. Mais après, c'était pas les artistes. Les artistes, c'est des chanteurs ou les groupes. Enfin, les producteurs, on s'en foutait. Et puis, dans les années 90, avec tout ce truc du matos, il y a Massive Attack, il y a tous ces groupes qui sont arrivés, c'est le groupe de producteurs. En fait, les mecs ne savent même pas jouer de la musique. En fait, c'est vraiment juste du son. C'est le son qui a pris le pouvoir sur la performance vocale et sur même la mélodie. En fait. Et là, du coup, eh ben, nous tous, on a profité de ça. Parce que moi, je ne suis pas un compositeur de pop. Je suis pas. Voilà. Mais par contre, j'ai une. Qu'est-ce que c'est qu'une. Un esprit producteur de musique, au sens producteur anglais, hein, c'est d'avoir une grosse culture musicale et d'arriver à avoir des idées de savoir qu'est-ce qu'on va mettre ensemble, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que les gens aiment. C'est entre le DJ, le collectionneur de disques, le disquaire. En fait, tout ça, c'est lié. Et même ingénieur du son aussi. C'est vraiment tout un truc comme ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a eu de la chance, parce qu'on est arrivé à ce moment-là. Et c'est pareil en Angleterre. Hein. Tous les mecs, sinon, c'est pas les mecs qui font des écoles de piano. Le seul dans toute cette scène qui a fait des études de musique, c'est Jean-Benoît. C'est le seul. Tout le reste, en fait, on a commencé comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que c'est une période vraiment intéressante et qui a donné. Qui va encore aujourd'hui. Hein. Les gens qui font de la musique ne sont pas forcément des gens qui font des études de musique. Hein. Donc c'est ce truc du producteur. Et donc. Moi, ça m'a jamais vraiment intéressé de faire des tubes ou de faire je sais pas quoi. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet, quoi. C'est vraiment faire des projets. Un disque qui rend hommage à la scène de Bristol, un disque qui rend hommage à toute la scène cold wave, post-punk, en disant que ce sont mes classiques à moi. J'ai fait un film qui s'appelle Le Choc du Futur, sur les pionniers de la musique électronique en France dans les années 70. Là, j'ai envie de faire un film sur Eric Satie, un biopic sur Eric Satie. Ce sont des projets, en fait, c'est vraiment ça. Ça peut rendre plein de formes. C'est ce qui te... Ouais, voilà. C'est, c'est, mais c'est, c'est,
C'est varié. C'est une idée de producteur. C'est plus producteur qu'artiste, effectivement, quelque part. Ouais, c'est un peu les deux, mais c'est plus. Voilà. C'est-à-dire que je pourrais dire, j'ai cette idée, je trouve les gens qui vont le faire. Or, comme je sais le faire, je le fais aussi. Ah oui. Voilà. Mais c'est, voilà, ça pourrait être juste m'arrêter en étant juste producteur. C'est-à-dire dire, nouvelle vague, j'aurais pu dire à quelqu'un, bon ben bah, voilà, tiens, j'aurais pu dire à Olivier Niveau, bah vas-y, fais-le. Tiens, je te présente Camille, voilà, bah allez-y, faites-le. J'aurais pu faire ça. Mais comme je suis musicien aussi, bah du coup je l'ai fait avec. Voilà. Mais c'est parce que je joue. Mais j'aurais pu. C'est avant tout une idée de producteur. Plus que de musicien, je pense. D'accord, ouais, ça change tout. Ouais, parce que ce sont pas des idées de. Ce sont pas des idées de musicien. Voilà. Un musicien, bah, lui, il va être hyper content d'avoir fait telle chanson ou d'avoir trouvé telle chanson. Mais ça s'arrête là, en fait. Moi, c'est des visions plus larges, quoi. En fait. Non, mais c'est ça. J'ai compris.